Bah écoute, on était tout de suite bien démarré, on a tout de suite bien démarré, on a fait un scratch dans la première, puis on a la tête jusqu'à la spéciale 8, je crois. Il y a eu une grosse averse, on a été un peu plus prudent que Chris. Donc là on est revenu à égalité parce que j'avais 8 secondes d'avance, il m'en met 8. Donc on était à égalité avant les 4 dernières. On fait pas une mauvaise boucle, mais il a 2 secondes d'avance avant la dernière spéciale. Et puis dans la dernière, bon moi j'ai bien roulé, mais il a crevé surtout. Et on gagne le rallye. Une première victoire en championnat de Belgique. Magnifique. T'en vois où après ? C'est pas, hein ? Dans 2 semaines déjà. Je pense qu'on a fait une belle course. On a commencé peut-être un peu trop prudent, mais bon, comme c'était une nouvelle voiture, on ne voulait quand même pas brûler les étapes et aller progresser d'une spéciale à l'autre. Et ça s'est bien passé. Après, on a bien attaqué au moment qu'il fallait attaquer dans la pluie. On a pris la tête. Et puis maintenant, dans la dernière spéciale, on a eu une crevaison dans une mauvaise portion de terre. Et voilà, on termine deuxième. Je suis déçu. Mais écoute, une course d'apprentissage, une bonne course finalement. On avait bien débuté le rallye. Deuxième boucle, on a pris la pluie dans la quatrième spéciale et on était les premiers sur la route. Donc il y avait vraiment beaucoup d'eau et là on perd un paquet de temps. Et puis finalement, une dernière boucle beaucoup mieux. On s'est appliqué à changer certaines choses et à améliorer la voiture. C'était beaucoup mieux. On crève malheureusement dans la dernière spéciale. Mais notre concurrent direct, William Wagner, crève aussi, je pense, puisqu'il perd 1 minute 30. Donc on récupère la troisième place du podium, un peu par chance, parce que c'était un peu juste. Mais voilà, je suis content d'être à l'arrivée pour une première avec cette voiture, un podium. C'est ce que je voulais. Je pense que dans des conditions un peu différentes, on aurait peut-être pu faire un peu mieux, ou en tout cas être plus proche de Guilin et Chris. Mais c'est le début, on apprend cette voiture et je pense que c'est pas mal pour un début. Bah, c'était pas évident, on apprend à rouler avec une nouvelle auto qui a vraiment beaucoup de potentiel. Maintenant les conditions étaient fort délicates et donc on n'a pas encore le setup adéquat, mais on va dans la bonne direction. On termine quatrième, seulement à 2 secondes du podium, parce que Fernémont a crevé. Et quand on regarde qu'on a fait quelques petites erreurs durant la journée, par-ci par-là, être un peu trop large dans un champ, etc., et ben on se dit que c'est un peu dommage, parce qu'on aurait pu peut-être être pour la première fois sur le podium. Mais en général, on est content et voilà, on a déjà hâte d'être au Spa Rally. Pas difficile pour tout le monde, je pense. Oui, on a départ avec une voiture très très dure et c'est difficile les premières boucles parce qu'il y a beaucoup de boue. La deuxième boucle, on a expecté plus de pluie, mais c'est sec pour 3 spéciales. Et je pense que tout le monde prendre les pneus pour la pluie. Et ça, c'est aussi pas bon pour cette course. Mais la dernière course, il y a trop beaucoup de boue. Et pour nous, avec la voiture, c'est très difficile pour manager la boue. C'est comme ça. On t'en revoit où après ? Pas à Spa, parce que notre budget, c'est pas bon pour Spa aussi. On a roulé un petit rallye de notre côté pour connaître la voiture.
Et après, je pense que c'est Tilt, le TAC Rally. Eh ben, on a fait une course presque bien. On a fait malheureusement une erreur dans la deuxième boucle, la quatrième spéciale. Il y a eu une grosse averse qui est tombée sur la spéciale et on s'est fait avoir avec un aquaplaning, un freinage. On a un peu glissé et on a tapé à l'intérieur d'un virage. On a fait une double crevaison. Donc malheureusement, on a perdu 3 minutes avec ça. Heureusement, c'est la dernière spéciale de la boucle, donc on est rentré à l'assistance. L'équipe a bien réparé, on est reparti, mais voilà, on a perdu 3 minutes. Donc on finit 6e, on limite les dégâts, mais c'est pas ce qu'on aurait espéré. On aurait espéré être juste derrière le frère, 2e. Je pense qu'on aurait pu être là, avec tout le chrono qu'on faisait, on aurait pu être 2e. Donc voilà, un peu dommage, mais on est impatient de commencer pour Spa. Une course difficile pour nous, elle avait très mal commencé en sortant dans la deuxième spéciale où on a perdu 14 minutes. Donc là pour nous, à partir de ça, c'était terminé pour avoir un bon résultat. Donc on a pris le rallye comme une séance de test grandeur nature. On a essayé plusieurs choses, on a changé notre manière de rouler aussi. Et voilà, on a terminé la boucle, on a fait un scratch aussi. On était dans le rythme des premiers qui se battaient pour la victoire. Donc je pense qu'on termine sur une bonne note et un bon rythme, en confiance avec la voiture pour la prochaine course du championnat qui sera à Tilt pour nous. Ouais, je pense que c'est un résumé a bien passé. On a eu un beau rallye. On arrive 9e au général contre les R5 et la WRC. C'était compliqué, donc 9e, on a signé pour ça. Bien sûr que je voudrais être plus devant, mais on doit être réaliste. Ça reste encore une Mitsubishi, donc oui, on est content. À la fin, il n'y a pas de dégâts, on est content, le team est content, donc voilà. Ouais, normalement, on va rouler le week-end prochain au rallye d'Anu, mais ça dépend avec toutes les choses qu'on voudrait encore changer sur la voiture. Car on a hier soir roulé pour la première fois avec la voiture et on a senti aujourd'hui qu'on s'est encore beaucoup changé. Donc on va voir demain si on va rouler au rallye d'Anu ou pas.